Un acte de vandalisme a entaché le paysage de Kisebwe, portant un coup dur à l'initiative d'une personnalité locale engagée. Ariel Ndayalwamba, notable et reconnu et membre d'honneur de la dynamique Gulen Nyembo, a récemment installé une bâche à Kisebwe qui appelait les autres notables à unir leurs forces pour bâtir un avenir meilleur pour la province du Tanganyika. Malheureusement, dans la soirée du vendredi 13 septembre, un groupe de jeunes a déchiré cette banderole, un geste qui semble aller à l'encontre de l'esprit des collaborations et d'unité. L'acte, considéré comme un civique, a suscité une vive réaction de la part de l'intéressé, qui, sur sa page officielle Facebook, a exprimé son indignation et a appelé à la réflexion sur l'importance de respecter les initiatives visant à améliorer la province. Ils ont payé des motocyclistes pour insulter et humilier la femme que je suis dans la province du Tanganyika. Ils ont dépassé les limites. J'espère que toute la communauté en est consciente. S'ils auraient été diplomates, ils auraient pu me demander gentiment de retirer momentanément ma bâche si la présence de celle-ci gênait leur activité. Si on veut construire une société se construit sur des principes et des valeurs. Et parmi les valeurs que nous sommes en train de défendre, il y a la moralité, le respect de l'autre. Quand elle a mis la bâche qu'elle a posée là-bas, c'était en prélude d'un acte, d'une action qu'elle veut poser. Et ici, chez nous, au Tanganyika, les quelques personnes qui se portent garants de commencer des actions, des actes pour construire le Tanganyika, eh bien, ces gens-là sont sabotés. Et personne ne s'en offusque, personne ne s'en indigne. Et il faut recontextualiser les choses. L'autorité morale du parti politique ACO devrait arriver le samedi. Le vendredi, dans la nuit, on a déchiré l'affiche avec le fugu des madames au niveau de Kisebwe. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas eu un seul communiqué du parti politique ACO pour dire que non, ce qui s'est passé ces jours-là, c'était un incident malheureux que nous condamnons et que le parti politique ACO n'est concerné ni de près ni de loin, rien du tout. Qu'est-ce qu'il voulait que l'on puisse dire, nous autres? Eh bien, on interprète. Mais à ce qui paraît, ça a mis mal à l'aise certaines personnes de la province, des caciques d'autres partis politiques, qui n'ont pas voulu voir le visage de cette dame dont on vante les noms partout. Et voilà, ils ont commandité des opérations macabres pour que l'affiche soit déchirée. En réponse à cet acte, le Conseil provincial de la jeunesse s'est rapidement mobilisé, organisant une réunion pour condamner ce comportement destructeur et pour rappeler l'importance de l'engagement civique. Les jeunes du Tanganyika sont eux-mêmes appelés à être des acteurs du changement et à promouvoir des valeurs, des respects et des solidarités. Il y a un constat amer, c'est une délinquance qui ne dit pas son nom, la délinquance à l'encontre des autorités provinciales. Je parle de ministres, des honorables députés, des notables. Mais le cas le plus patent, c'était celui dont l'ancienne ministre aux Affaires foncières, Ariel Ndayalwamba, a été victime d'un sabotage couplé des insultes odieuses au nom encore de la jeunesse. Mais nous, comme les cadres fédérateurs de la jeunesse, il a été nécessaire de nous réunir pour condamner cette barbarie. Il a été nécessaire de nous réunir pour fixer les nouvelles lignes de conduite à tous les responsables des associations, organisations et autres mouvements de jeunes. Cet incident rappelle à tous que malgré les défis et la différence politique, la nécessité de dialoguer et de collaborer pour les biens communs de la province du Tanganyika reste une priorité. Le dynamisme et la résilience des notables, des jeunes et des habitants du Tanganyika se révéleront essentiels pour surmonter de telles adversités et de construire une société plus unie. La sécurité continue à faire parler d'elle à Kalemie, tout comme partout au Tanganyika. Cette fois-ci, ce sont les défenseurs judiciaires qui sont pris à partie. En l'espace d'une semaine, deux avocats ont été victimes de violences, sémant la peur et l'inquiétude au sein de la communauté juridique.
Maître Kibangula Massimangu Mweu, un défenseur judiciaire bien connu dans la province, a vu son domicile situé sur l'avenue Tanganyika transformé en champ de bataille. Dans la nuit de vendredi au samedi 14 septembre, un groupe de malfrats armés des machettes a fait irruption chez lui, brisant la porte d'entrée avant de s'en prendre sauvagement à l'avocat. Roué des coups, l'avocat a été gravement blessé. Les assaillants n'ont pas ménagé leurs efforts, emportant avec eux plusieurs objets de valeur. Précisément à 2h07, là, j'étais à la maison ensemble avec ma famille, en plein sommeil. Brusquement, j'ai entendu juste quelques coups sur la porte. Là, je me suis réveillé et pour vérifier qu'est-ce qui se passe dehors. Vraiment, j'ai constaté moi-même à mes propres yeux. Premièrement, je vis la présence de deux tenues militaires au coin de ma maison. L'autre de l'autre coin et l'autre de l'autre coin. Après ça, ça n'a pas fait même 5 à 10 minutes. J'ai entendu, ils commencent déjà à frapper la porte avec les bruits que vous voyez ici. Après ça, ils commencent à me demander « Pesa biso mbongo ?» C'est que mbongo ezate okufa. En lingala. Et en parlant le lingala là, très propre, que vous ne pouvez pas croire que ce sont les bandits à volume armé. Mais de ma part, je vais constater que c'est les militaires bien formés, parce qu'ils étaient en uniforme militaire. Ces attaques surviennent alors que pendant la même semaine, dans le territoire de Manono, un autre avocat a été victime d'une tentative de braquage. Alors qu'il se rendait à l'hôpital, selon nos sources proches du dossier, il a été intercepté par des bandits qui ont tenté de lui dérober ses effets personnels. Les défenseurs judiciaires de la place réalisent que ces événements mettent en lumière leur vulnérabilité dans notre province. Ils pensent qu'en s'apprenant à ceux qui luttent pour la justice, les agresseurs s'attaque directement à l'état de droit. La quête d'eau est un fardeau quotidien pour les habitants de l'avenue Makokoto dans la commune de Lukuga. Ici, l'eau de la régie des eaux n'écoule qu'une ou deux fois par semaine. La crise d'eau dans cette avenue affecte chaque aspect de la vie quotidienne, particulièrement les ménages. Les habitants sont contraints de recourir à des alternatives souvent coûteuses, escalader les collines pour amener l'eau de la rivière Lukuga à la maison ou se rendre dans des quartiers voisins pour payer des bidons d'eau à un prix élevé. Deux jours successifs. Ça m'a donné peut-être 4 jours à partir de maï. Alors, moi, je suis obligé de faire un peu de Je suis obligé de faire un peu de La régie des eaux, cette entreprise publique, a du mal à desservir en eau potable non seulement l'avenue Makokoto, mais également plusieurs quartiers de la ville. Dans certains quartiers même, les installations de la régie des eaux existent, mais aucune goutte d'eau n'écoule des robinets. Si déjà dans le centre-ville de Kalemi, l'accès à l'eau potable demeure un sérieux problème, qu'en est-il de quartiers excentrés? Les habitants du quartier Katamboa ne se sentent plus en sécurité depuis que des événements horribles sont survenus dans cette partie. Autant tout habitant a envie de se promener pendant les heures vespérales. Les résidents de ces quartiers font face à une menace des jeunes inciviques qui s'agglomèrent dans quelques coins de cette entité, sémant plusieurs désordres aux citoyens. Les habitants invitent les autorités à prendre des mesures adéquates pour établir le calme afin qu'ils vivent sans inquiétude. Certains fustigent les faits que les patrouilleurs envoyés pour sécuriser les quartiers ne font que le passage et se dirigent à une destination inconnue. Problème tout ni sécurité tout du casier du problème et balé ba garçon beko na unda unda ma groupe yabo ya kutia fuyo. Tunge omba ni kusema kama batu angalie bale basoda yungfa patrui, banze tukamatia nabo. Cécile Mwamba, bourgmestre de la commune du Lac, affirme que des mesures pour sécuriser les quartiers Katamboa sont déjà prises et une équipe est descendue sur terrain pour traquer les jeunes qui sèment la terreur dans ce quartier.
Pour cela, la bourgmestre de la commune invite les parents de ces enfants mal civilisés de les dénoncer pour faciliter la tâche de vouloir sécuriser les quartiers Katamboa et toute la commune du lac. Donner un message à nos parents, bazazi. Souvent, batoto benye coopérer qui banditisme ni souvent ni batoto betu be comme nyumba yetu si etu na katala ku dénoncer tonekala nabo najua kama mtoto ni huyu mtoto anikala kama groupe fulani sa vile tuko na ma groupe ya ma be combien B12 be combien bile biote sasa si benye bazazi après si benye bale bale ndio tunaanza ku créer tunalia no komi nani qui banditisme qui napita insécurité insécurité mais kama si benye tunaanza ku organiser tuna dénoncer ile mabiote aitakuweko. Malgré l'instauration des mesures pour traquer les jeunes inciviques, les quartiers Katamboa semblent toujours dangereux pour la noctambule. Depuis l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards semblaient connaître un renouveau impressionnant. Ce technicien français, arrivé avec des ambitions claires, a su insuffler une nouvelle dynamique à une équipe qui, ces dernières années, peinait à trouver sa place sur la scène continentale. La dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire a marqué un tournant pour les Léopards. Tout d'abord en éliminant l'Égypte et terminant à la quatrième place, l'équipe a démontré qu'elle avait les potentiels pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Sous la conduite de Desabre, les joueurs ont affiché un jeu collectif fluidifié et une endurance remarquable, leur permettant d'atteindre les demi-finales après une phase des groupes solides. Les supporters congolais, qui avaient longtemps attendu des résultats encourageants, ont célébré ce succès comme un signe des retours en force du football congolais. Suite à cette performance en CAN, la motivation des joueurs est à son comble. Les Léopards de la RDC ont débuté les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec brio, en remportant leurs deux premiers matchs face à la Guinée et l'Éthiopie. Ces victoires témoignent d'une cohésion retrouvée au sein de l'équipe, qui joue désormais avec une confiance renouvelée. Les choix stratégiques des Desabres, alliant des jeunes talents et des joueurs expérimentés, semblent porter leurs fruits, faisant des Léopards une équipe redoutée sur les terrains. Alors que les éliminatoires continuent, la pression est désormais sur les épaules de l'équipe, qui doit maintenir cette dynamique positive. Les prochains matchs seront cruciaux, non seulement pour assurer une place en phase finale de la CAN, mais aussi pour renforcer l'espoir et l'engouement autour du football en RDC. Le chemin est encore long, mais avec une telle montée en puissance, l'équipe nationale pourrait bientôt réaliser les rêves de tout un pays. Les yeux sont rivés sur eux et il est certain que la suite de leur parcours promet des émotions fortes.